un petit parcours. Le loup par-ci, le loup par-là, c'est ainsi, c'est moi le loup. Le loup qui parle, le loup qui chante et qui rit, c'est moi le loup. Oui, je me sens tellement loup, c'est fou. Oui, je me sens tellement loup, 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 loup. Oui, c'est fou, la vie nous sourit quand on a des amis, parole de loup. Attention à vous, oui, on va s'amuser. Alors Lou, comment tu les trouves? Joshua, tes tomates de printemps sont délicieuses. Oh, oh. Fais attention ma table. Bouge pas. Et voilà le travail. Ah, oh, je savais pas que tu étais aussi habile de tes mains Lou. Bah maintenant que tu le dis, c'est plutôt vrai. J'ai toujours adoré réparer, retaper, refaire la déco, tout ça. Ah mais oui, par tous mes poils de loup. Ça y est, je sais, je vais devenir bricoleur. Hop là. Parfait. Et voilà le travail. C'est une pièce très rare. Merci beaucoup, Lou. Oh, y a pas de quoi, gros Louis. Le bricolage, c'est simple, Lilou. Allez, j'ai du boulot. Au revoir, Lou. Bricolou à la rescousse. Yeah. Oh. Oh. Hey. Salut Louve, me voilà. Ah Lou, c'est gentil de venir me donner un coup de main. Bon, c'est rien. J'ai promis d'aller aider Titi, je te laisse la maison. Bricolou, à la rescousse. Aïe. Au revoir, Alfred. Au revoir, Lou. C'est fini. Quand je vais raconter ça à Valentin, lui qui adore bricoler... Il va pas en croire ses yeux. Valentin ! Valentin ! T'es là ? Je le crois pas, même pas un petit ascenseur dans cette maison. Pff, non mais tu parles d'un bricoleur de génie. Mais oui, je vais lui montrer ce que c'est qu'un bricoleur professionnel. Ah, ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se voit pas, c'est un ascenseur. Heureusement que t'as un ami bricolo pour t'aider. C'est incroyable. Oh, c'est de la bricolette de débutant, ça. Waouh. Tiens. Lou le bricolo, pile poil ce qu'il vous faut. Waouh. Je peux tester. Mais à toi l'honneur. Alors là, c'est vraiment fabuleux. Et t'as encore rien vu? Regarde, j'ai mis des vitesses. T'es prêt? Ah. Oh oh. Non, non. Mais qu'est-ce que t'as fait, Lou? Mais comment tu vas nous redescendre maintenant? Il suffit de fermer la vanne. Mais moi j'étais très content de mon escalier. Je suis désolé Valentin. C'est juré, je bricolerai plus jamais de ma vie. Alors, tu l'as trouvé Titi? Bah non, mais je peux te dire qu'il va m'entendre. Rien.
Il est introuvable. Hein? Quoique... Eh bien, on dirait que c'est lui là-haut, non? Regarde, on dirait que c'est Louve, Titi et Gros Louis. Sauvez-nous, fermez la vanne. J'ai l'impression qu'ils veulent nous dire quelque chose. Allez, fermez. Oh, descendez tout de suite, c'est dangereux. Allez, vite, dépêchez-vous. On va rester coincés ici toute notre vie. Bricolou à la rescousse! Si je vise bien, je dois pouvoir la fermer d'ici! Mais il nous attaque ou quoi? Allez, Lou, t'y étais presque! Encore raté! Vas-y, Lou, c'est notre dernière chance! Tu l'as fait, Lou! J'ai réussi! Est-ce que ça va, les amis? La vie est drôlement belle quand on est sur le plancher des loups. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Vous êtes venus voir mon ascenseur? Non, on te cherchait pour que tu répares toutes tes bêtises, comme ma table de jardin. Ou ma maison qui s'est effondrée. Et mon mur qui s'est écroulé, je parle même pas de mon joli miroir. Et mes volets, tu les as tous troués. Et puis ma façade, elle est jolie, mais je préférais comme c'était avant. Mes amis, je vous adore. Mais le bricolage, oh non, c'est pas mon truc. Demandez plutôt à Valentin. C'est lui, le bricolo de la prairie. Lou, mais où tu vas? Rangez mes outils pour toute la vie. Lou, mais attends.